Bienvenue, Youssef Haouzi. Merci beaucoup pour l'invitation, Sachid. Merci de l'avoir accepté et merci d'ailleurs de l'accepter de manière systématique. Merci beaucoup. Youssef Haouzi, je rappelle que vous êtes directeur général de Portnet SA. Le guichet unique national de commerce extérieur. Guichet national de commerce extérieur et que vous êtes depuis quelques mois, ou en tout cas depuis quelques semaines, président de l'Alliance africaine. Pour le commerce électronique. Pour le commerce électronique, ça tombe très bien aussi parce qu'on parlera bien sûr de la dimension africaine aussi en matière de connectivité portuaire. Mais donc ce débat avec vous, Youssef Haouzi, se déroule en marge de la 11e édition de Logismed 2024, qui a pour thème « Quelle stratégie logistique pour faire face aux défis à la fois économiques, à la fois environnementaux et à la fois géopolitiques ?» Alors c'est intéressant peut-être d'aborder avec vous l'angle géopolitique, parce qu'on a beaucoup parlé pendant le Covid de ces chaînes d'approvisionnement, de ces chaînes de valeur mondiale, les chaînes de rupture, avec des nouveaux écosystèmes en tout cas qui sont mis en route. Cette dimension aujourd'hui géopolitique, à la lumière de toutes les tensions qu'il peut y avoir, à la fois le conflit ukraino-russe, à la fois également le conflit israélo-palestinien, on l'a vu avec ce qui se passe au niveau de certaines routes maritimes. Est-ce que valeur aujourd'hui, quelle est votre analyse? En fait, mon analyse, c'est que c'est très simple. En fait, on va dire que la chaîne, en fait, depuis le Covid, il y a eu un enseignement par rapport à la chaîne logistique et par rapport à tous ces flux-là. Donc, il y a une adaptation rapide des chaînes d'approvisionnement pour donner une réponse à ces problématiques. Donc maintenant c'est assez agile, donc il y a du changement de route rapidement, mais il y a des impacts également sur l'ensemble des, on va dire, de la chaîne d'approvisionnement, notamment sur les ports, parce que il y a des ports qui ont bénéficié en fait de ces changements là il y a d'autres qui ont pâtissent, et je pense au Maroc on a eu en fait un gain en fait au niveau de, notamment au niveau de Tangemet par rapport à cette situation. Est-ce que c'est dû à l'infrastructure Tangemet qui a été mise en place? Est-ce que c'est aussi dû au positionnement géographique? C'est le positionnement géographique en fait Maroc, parce que on est le premier port maintenant pour arriver à la Méditerranée en Europe. Au niveau du transbordement. Donc ça donne plus de volume, de flux au Maroc par rapport à cette question-là. Est-ce que ça veut dire aussi que, comme vous dites, effectivement, il y a des ports à travers le monde qui ont beaucoup plus été bénéficiaires de ces nouvelles reconfigurations des chaînes de valeur mondiales? Bien sûr, tous les ports dans la Méditerranée, en fait, à l'Est, en pâtissent parce que les navires ne passent plus par ces ports-là. Donc il y a une nouvelle route en fait qui sont dessinées. C'est quelque chose de bien par rapport à cette chaîne d'approvisionnement, parce que ça permet déjà d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est, on va dire, agile, parce que c'est l'essence même en fait de la logistique. Et cette agilité, c'est quoi? C'est de la logistique effectivement avec un écosystème compétitif, en fait, en tout cas dynamique, ou c'est la technologie aussi? Parce qu'il y en a certains, en fait, il y a des différentes lectures. En fait, c'est un mélange. La technologie, elle est là pour accompagner en fait cette agilité. C'est, je pense, très important, en fait, quand on voit un peu cette pression sur les chaînes d'approvisionnement, les problèmes qu'on a eu depuis le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est en fait, ce qui a en fait également l'inflation sur les prix des tensions sur les matières premières, beaucoup de choses, voilà. Donc il y a besoin en fait d'utiliser également la technologie par rapport à ces chaînes d'approvisionnement pour les sécuriser, pour les fiabiliser et pour avoir également en fait, on va dire, des chaînes logistiques, on va dire, fiables, résilients par rapport à ça. Et c'est en fait, par exemple, sur la partie technologique, la blockchain permet de faire ça, parce que c'est quelque chose qui va permettre de sécuriser un peu les données, les informations, et donner la confiance à tout le monde. Et d'anticiper, c'est ça? Est-ce que ça permet surtout d'anticiper, tu dis, voilà, attention, il y a des risques de tension sur telle route, tel circuit maritime de transbordement? Je pense que là, c'est plus l'affaire de l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on peut prédire par rapport à,
aux besoins, par rapport à, c'est-à-dire à, aux tendances qu'il y a. La blockchain, ça permet de sécuriser. La blockchain, ça, l'intelligence artificielle permet d'avoir une prédiction sur ce qui va se passer et de, d'optimiser encore plus les, c'est-à-dire en se basant sur des données, en se basant sur des situations. Or, c'est intéressant, Youssef Haouzi, parce que il y a beaucoup de débats aussi à travers le monde dans ce sens. Mais certains considèrent que pour que la blockchain soit utile, efficace, il faut qu'elle soit adoubée, en fait, par tout le monde, quasiment au même degré, pour qu'il y ait une vraie mise en communauté connective, si je puis dire. Oui, oui. Voilà. En fait, sur la partie blockchain, c'est important d'avoir des écosystèmes et de connecter ces écosystèmes-là. C'est ce qu'on essaie de faire à travers la conférence qu'on a faite hier. C'est en fait le mot d'ordre. C'est qu'il y a beaucoup de communautés qui se construisent. Maintenant, en fait, communautés pays ou des communautés dans des communautés? En fait, des communautés, on va dire, par rapport à des process, on va dire, communauté bancaire, communauté en fait logistique, communauté portuaire, donc maintenant par secteur, en fait par secteur, mmh. Voilà, donc maintenant il faut pouvoir connecter ces communautés là parce que les process en fait du commerce international sont transverses. Ça part du paiement, du financement jusqu'au en fait la réception de la marchandise jusqu'au livrable en fait. Voilà. Donc, c'est toute la chaîne de valeur et en fait les process qu'on a, c'est des silos. Le bancaire, il est à part, la logistique, il est à part, la partie portuaire, il est à part, et ça crée des frictions. Donc des frictions, ça engendre en fait des pertes, ça engendre des, on va dire, des problématiques qui empêchent en fait le commerce de se réaliser. Est-ce que ces frictions, Youssef Haouzer, c'est intéressant, est-ce qu'elles sont humaines? Est-ce qu'en fait c'est l'humain? Parce que c'est quand on n'est que sûr dans l'univers technologique, j'ai envie de dire, ben, la technologie, ça roule. En fait, c'est plus procédural et process. Parce que les process ne communiquent pas. Il n'y a pas de croisement de... Il y a des croisements, oui. C'est dans ces croisements-là qu'il y a ces frictions-là. En fait, moi, c'est le plus simple, c'est que par exemple, pour, je sais pas, charger un camion, il faut avoir en fait, des autorisations. Et pour avoir les autorisations, il faut avoir le numéro de camion, ou le chauffeur, ou telle chose. Donc il y a des... Et ça, c'est pas regroupé dans un écosystème IT? Parce que ce process-là, c'est par exemple pour la partie autorisation, c'est administrative, et ça, c'est logistique. Donc maintenant, l'IT, c'est ce qui permet de faire d'harmoniser, en fait. De tout regrouper et d'enlever ces frictions-là. Est-ce que valeur aujourd'hui, les grandes tendances mondiales vont dans ce sens, je suppose, et j'imagine, est-ce que là aussi il y a un enjeu de se dire attention parce que de développement, c'est-à-dire est-ce que les grandes puissances économiques mondiales sont en train de prendre le lead là-dessus et que nous, par exemple, économie en développement et le continent dans son ensemble, si on ne prend pas le bon wagon au bon moment, on risque de se retrouver encore déclassé. En fait, ce qui est bien dans l'IT, c'est une question de ressources humaines, d'intelligence, en fait, de matière grise. Humaine, on est sur l'humain. L'humain. Donc, la technologie, on peut l'utiliser, c'est un levier. Malgré qu'il y a une avancée, en fait, je sais, ailleurs, surtout en Asie, par rapport à ces questions-là, mais nous avons également notre mot à dire parce que nous avons nos ressources humaines, nous avons notre matière grise, nous répondons aux besoins de notre communauté. Et ces problématiques-là ne sont pas que technologiques, c'est également en fait des problématiques de conduite de changement et également de création en fait de ces écosystèmes-là. Donc c'est pas uniquement je viens avec un software et je vous dis d'accord, on le fait, ça va pas marcher. C'est pas juste un software. C'est la communauté qui a été créée derrière Portnet et qui a permis de mettre en place Portnet. Et de mettre un réseau, de mettre en communauté. Exactement. Est-ce que là, le vrai défi, c'est de passer à un étage supérieur, Youssef Haouzi, de se dire, voilà, il faudrait le faire en fait avec beaucoup plus de communautés, mais peut-être externe aussi, donc un travail en interne pour monter en charge d'un point de vue technologique, avec l'adoption de la blockchain chez nous. Oui. Et en même temps, ce qui permettra d'être dans les radars mondiaux. Exactement. En fait, c'est un peu l'objet en fait, du travail que nous essayons de faire avec notre communauté. C'est en fait de voir quel est l'impact en fait, de ces technologies-là sur le commerce. Comment est-ce que la problématique de la blockchain, en fait, c'est un effet de mode. 2016-2019, c'est un effet de mode. Tout le monde mettait blockchain. Mettait blockchain partout. Partout. Oui.
D'accord, maintenant ça s'est estompé parce que en fait, il n'y avait pas de, on va dire, de cas business par rapport à ces questions-là. Mais maintenant ça change parce qu'il y a des, il y a des, de nouveautés en fait par rapport au commerce. C'est qu'on veut un commerce paperless en 2030. Et la seule C'est paperless, technologie, c'est-à-dire plus de papier, plus de plus de paper papier. qui circule. En fait, clairement, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire À que l'international. les documents administratifs de chargement d'un camion et autres, ça ne se fera pas sur la C'est en base d'un fait document administratif papier, maintenant, c'est maintenant ça? on peut le dire, on peut le faire, on peut dire par exemple dans le port marocain, il n'y a pas de papier, d'accord, mais maintenant c'est à l'international. Ça veut dire que un chargement qui se fait au Maroc d'un camion, il va partir en Europe, mais sans papier. Ça D'accord. veut dire qu'il n'y aura pas de document. Ça, c'est allez, ça, c'est en 2030. Ça, c'est en 2030. Par exemple, des conteneurs qui vont venir au Maroc, il n'y aura plus de contrat, en fait, de documents de transport papier qui va venir avec la Est-ce marchandise. que ça, on est prêt, nous, déjà, au niveau du Maroc? Parce qu'on va aller sur l'Afrique et sur le continent africain. Parce que j'ai bien compris que Moi, les... je pense qu'on est bien loti par rapport à ces Zéro questions-là. papier? Zéro papier, parce qu'on a déjà, au niveau Maroc, on a déjà depuis longtemps travaillé sur la digitalisation. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe ailleurs. Ce que ça va impliquer pour nous, surtout sur la partie réglementation, c'est essentiel, et de réaliser les adaptations nécessaires. C'est le travail, en fait, c'est l'objet du travail que nous essayons de C'est-à-dire, c'est faire. quoi? Ça représente quoi comme nouveau défi pour nous aujourd'hui? Au niveau, vous dites, voilà, il y a des choses qui sont visibles, je veux dire, qui vont arriver. C'est Oui. quoi le principal défi aujourd'hui, après Moi, l'effort en matière de digitalisation? le défi, c'est qu'on arrive à accompagner ce changement-là et de ne pas le subir. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va arriver. Maintenant, nous, c'est-à-dire avec toutes les avancées que nous avons faites au niveau de la digitalisation des formalités, du commerce international au Maroc, à travers les différentes initiatives, que ce soit le guichet unique, que ce soit les douanes, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le port. Maintenant, il y a un travail à faire pour s'adapter à cette nouvelle donne qui est c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de documents, on va Le dire, document papier. Est-ce que papier. ça veut dire qu'il faut aussi avoir une nouvelle approche aussi au niveau de la circulation des containers chez nous? Parce que là, quand on dit commerce international, on est bien d'accord, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. Donc ça veut dire Moi, qu'on exporte des produits, on en importe je également. pense que l'impact, ça serait bénéfique pour le Maroc. Il n'y aura pas de changement radical parce que, en fait, ce que apporte en fait, ce changement-là, c'est que, en fait, il y a un modèle de loi pour les documents transférables. C'est quelque chose qui a été proposé par les Nations Unies à travers Oui. à travers une de ces agences. Et ce modèle de loi, il est en train d'être adopté par les différents pays, en Asie, C'est-à-dire que ça, c'est MENA, quoi? C'est une norme, maintenant une en Europe. réglementation onusienne, et chaque pays Exactement, doit doit mettre en place un cadre l'adapter, juridique. un cadre juridique pour Oui. accepter en fait les documents digitaux au même titre que les documents papier pour le commerce On en est international. au Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'on a légiféré là-dessus? Est-ce qu'il y a un projet de loi qui est en. Il y a un Qui est, travail en qui cours. Il y a un travail en cours. Oui. Il y a des, il y a un, en fait, tout un task force qui se met en place pour déjà, on va dire, sensibiliser sur ce modèle de loi, C'est-à-dire de réglementation pour que de nos opérateurs réglementation, économiques soient. exactement. Et nous, à travers nos, c'est-à-dire notre réseau, nous avons eu des experts qui nous ont présenté à nos collègues, en fait, au ministère, différents organismes par rapport à cette loi-là, pour pouvoir comprendre comment on la met en place. Maintenant, c'est un travail qui doit se faire le plus rapidement possible pour avoir une loi. Il y a plusieurs pays qui sont en train de faire le même travail. Il y a ceux qui ont avancé, notamment le UK en 2023, ils l'ont adopté. Il y a le Bahreïn, l'Émirat, Singapour. Donc les choses se mettent en place et s'accélèrent. Exactement, et s'accélère. Qu'est-ce que ça générera, en fait, qu'est-ce que ça sera comme impact pour l'entreprise? Est-ce que d'abord c'est que pour l'entreprise qui est tournée à l'export? Est-ce que c'est pour toutes les entreprises, en fait, Toutes qui... les entreprises, toutes Oui? les entreprises. Donc moi, l'impact, je le vois positif parce que ça accélère énormément le commerce international. Ça permet d'accéder à des marchés à l'international. Est-ce que Bien ça sûr. permet Parce que ça, en fait, le papier est une contrainte dans le commerce.
en général. Ça, le papier ça, comme ça, c'est papier, une contrainte. C'est toujours une contrainte. Ouais. Parce que c'est, il faut le, des fois il se perd, des fois il y a des problèmes dans le papier, il n'arrive pas à temps, d'accord. Maintenant, sur la partie digitale, vous l'avez à l'instant. Ça veut dire que je conclue un contrat avec vous, contrat de transport. J'ai pas besoin de l'envoyer en DHL pour que vous puissiez le récupérer directement au Maroc. Ben, vous l'avez directement. Vous donc c'est visible. En plus, il y a une traçabilité qui est garantie. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui va être bénéfique au commerce. Elle va accélérer le commerce international. Et c'est quelque chose sur lequel on doit anticiper et en fait bénéficier de ces atouts. Donc ça veut dire que, concrètement, si j'ai bien compris, Youssef Haouzi, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi technologique pour les entreprises de notre pays et pour toutes les organisations en tout cas. Exactement. Donc c'est un challenge en fait pour nous parce que pour déjà en fait nous on doit adapter la façon avec laquelle on travaille. Il faut qu'on arrive à être, ready à ce changement là pour qu'on puisse accompagner en fait ce changement. Mmh. Parce que certains considèrent que dans notre pays malheureusement il y a encore trop de résistance à la technologie, pour des raisons aussi diverses que variées. Est-ce qu'il va falloir effectivement, malgré tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de digitalisation, oui, donner un vrai coup d'accélérateur, et en disant clairement peut-être que c'est aussi une question de vie ou de mort? C'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question en fait, parce qu'on devra s'adapter à ça. Maintenant, il y a deux approches. C'est soit on fait une adaptation forcée, soit une adaptation accompagnée. Mmh. Et moi, je préfère que ce soit accompagné que d'être forcé à un moment donné de faire des solutions, on va dire, hâtives et en urgence. En fait, cette question de conduite de changement, elle est importante. Effectivement, il y a une difficulté à le faire. Maintenant, en fait, il faut accompagner les gens, leur montrer l'intérêt qu'ils ont par rapport à la technologie, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et ça, on est-ce que chez l'entreprise, il a du mal à saisir effectivement, se dire, est-ce que moi ça va me permettre. Ah, je sais pas, je suis pas d'accord. Des fois, pourquoi je vais investir dans la technologie, pourquoi je vais me digitaliser, toute mon activité. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est plus un investissement que bénéfice. Ce que j'entends de mes collègues, de mes confrères, quoi, je vois, c'est qu'il y a vraiment pas un engouement, mais en fait une prise de conscience par rapport à ce que peut apporter la technologie à l'entreprise. En termes de gain de temps. En termes de conformité, beaucoup de choses. Mmh. Donc cette question de conduite de changement, dans ces fruits maintenant, il y a un vrai engouement par rapport à la technologie. Je suis en contact avec pas mal d'entreprises et à chaque fois je suis un peu surpris par le niveau de conscience niveau de conscience et également en fait leur perception par rapport aux avancements que nous avons fait par rapport à la digitalisation et par rapport à donc globalement nous le Maroc Valeur aujourd'hui on n'est pas trop mal par rapport à d'autres pays du continent moi je pense qu'on a fait un très grand effort par rapport à la digitalisation. On est bien loti par rapport à cette question-là. Et c'est-à-dire, même en discutant avec des multinationales, par exemple, qui travaillent sur la même région, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, c'est-à-dire, ce que nous avons fait est énorme par rapport à ce que les autres pays ont fait. Et certains considèrent, Youssef Haouzi, je ne sais pas si c'est des bonnes ou mauvaises langues, en tout cas, c'est que pour profiter pleinement de la technologie, de la blockchain ou autre, donc gain de temps, d'efficacité, de sécurité également, de la data et de la circulation de la data, en termes de traçabilité, c'est de pouvoir aussi monter en charge au niveau de l'industrialisation. Et d'ailleurs, plus on a de trafic, j'ai envie de dire, plus on produit, plus il y a de productivité, plus la technologie devient intéressante et peut favoriser la compétitivité. Je suis d'accord. En fait, c'est très, c'est très lié. Donc, si on est bien relié, on a des investissements qui vont arriver. Si on a en fait des services, des bons services, nous avons des investisseurs qui vont venir et qui vont s'installer. Donc, je pense que c'est quelque chose. Tout est interconnecté. Interconnecté à la fin. Donc il faut qu'on travaille sur tous les fronts pour accueillir l'industrie, accueillir en fait des
chaîne de valeur au sein de notre pays. Est-ce qu'il est possible aussi, parce qu'on est dans un espace géographique, ouais. Donc Maghreb, Afrique, d'ailleurs, quand je vous ai présenté, président de l'Alliance africaine, pour les e-commerce électroniques, est-ce que ça, c'est un défi ou une contrainte supplémentaire pour le continent? C'est-à-dire, voilà, cette blockchain, cette technologie, son coût, son accessibilité, son utilité, son utilisation plutôt. Oui. Est-ce que c'est plutôt défi-contrainte pour le continent? En fait, l'Afrique, déjà, il y a une problématique, c'est le commerce intra-africain qui ne bouge pas depuis un moment. C'est 15%, c'est la région la moins... On est espèce de plafonné à 15% de commerce intra. Hein. Donc ça c'est une problématique. Et moi, à travers en fait les discussions que j'ai avec les différents en fait parties prenantes, notamment les guichets uniques en Afrique, c'est une question vraiment très importante. Et la réponse que nous, en fait, au niveau des guichets uniques, on essaye de prendre, c'est cette interopérabilité, c'est cet échange de données, c'est cet échange, en fait, des procédures plus fluides entre les pays pour qu'on puisse stimuler, en fait, encore plus le commerce. Parce que quand il y a des entraves, notamment administratives, procédurales sur le commerce, ça n'aide pas à améliorer, en fait, ce commerce intra-africain. Donc il y a l'avènement également d'Azlecaf, donc dans cette zone-là qui est, je pense, importante, mais qu'il faudrait accompagner par des mesures, on va dire, termes logistiques, en fait, IT ou autres, pour accélérer en fait ces sujets-là. Certains considèrent que tout le rattrapage en fait en matière de développement économique, industriel. Pour l'Afrique peut se faire grâce à la technologie et donc aller beaucoup plus vite. Certains considèrent qu'il y a d'autres priorités en matière de financement public et budgétaire, service public en matière d'éducation, de santé, plutôt que de partir tout de suite sur des investissements importants en matière d'un point de vue technologique. Moi, je suis d'accord. Il y a d'autres priorités qui sont plus, on va dire, plus urgentes par rapport à ça. Mais le commerce, c'est une locomotive pour l'Afrique. Et le digital, c'est un levier qu'on peut actionner pour encore aller rapidement dans cet objectif-là. En fait, récemment, moi, j'ai participé avec l'Alliance sur. En fait, on a signé un contrat avec l'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire en fait de l'Afrique de l'Ouest et un bailleur de fonds en fait la Banque islamique pour financer un projet en fait d'interconnexion entre les 5 pays de l'UMOA qui va être généralisé par la suite d'Afrique de l'Ouest. Donc qui va être généralisé à tous les pays de l'UMOA pour en fait cette question de on va dire d'échanges digital digitalisés en fait et cette reconnaissance en fait des documents de commerce parce que c'est un frein un camion qui va en fait passer par ces pays-là passe beaucoup plus de temps dans les postes frontaliers pour le dédouanement pour vérifier les documents. C'est un temps en fait perdu et qui coûte beaucoup d'argent aux opérateurs, ce qui fait que ces pays-là ne sont pas compétitifs, que les marchandises arrivent à des prix exorbitants. Ça augmente les prix des produits, des matières, et surtout pour le consommateur final. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un nouveau modèle aujourd'hui qui est en train de se mettre en place d'échange à la fois de data, de nouvelles formes de commerce? C'est ça en fait l'ambition en fait de ces groupements économiques, c'est de pouvoir faciliter en fait la circulation des biens entre ces pays-là. Donc faciliter, ça veut dire que on diminue le contrôle, on le fait intelligemment. On fait passer les données entre les pays, on accepte les documents électroniques, parce que les documents électroniques, heureusement, c'est des documents qui ne sont pas facilement falsifiables. Un document papier, ça l'est beaucoup plus. C'est plus simple. Mais en tout cas, dans cette région du monde aussi, c'est une des régions les plus instables. D'ailleurs, au monde, il y a cette question de sécuritaire, on le voit bien. Il ne peut être stable que par le développement économique. Mais en même temps, voilà, c'est plutôt d'abord la sécurité et ensuite le business. Pour le moment, en tout cas dans ces pays de la région. Moi, je pense que si on,
c'est-à-dire on développe l'économie, on a plus de stabilité. Mmh. En tout cas, vous dites, les cinq pays en question qui ont dit, il y a un partenariat en tout cas qui a été, ouais, qui a été acté. Ouais. C'est quoi? C'est le pays de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal? C'est le Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, le Mali et je pense le Togo. Le Togo, ouais, et le Maroc également? Non, le Maroc. Le Maroc ne fait, fait partie. Ne fait pas partie. Moi, j'ai signé ce contrat en tant que président, président de l'Alliance. L'Alliance. Exactement. Mais ça, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi pour que le Maroc puisse faire partie de cette... Je pense que c'est des choses qui vont venir par la suite. Parce que ça, c'est... moi, ce projet-là avec l'Alliance, je l'ai suivi depuis des années. J'étais en 2017 en Burkina sur ces discussions-là par rapport à cette interopérabilité qu'ils peuvent y avoir au niveau de leur région, et surtout sur l'aspect réglementaire. Leur réglementation a évolué, je pense, en 2023 par rapport à cette question-là pour pouvoir accepter ces documents-là de façon digitale entre ces pays. Et là, on est en train de les accompagner dans l'opérationnalisation de cette démarche-là à travers la digitalisation, à travers une plateforme que nous mettons à leur disposition pour digitaliser ces process. Sur Portnet, dont je rappelle que vous êtes le directeur général, Youssef Haouzi, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont prioritaires? Pour nous, en fait, effectivement, à part notre travail en fait, au quotidien qui est d'améliorer nos services, d'élargir notre communauté. C'est-à-dire service IT pour les entreprises? Pour les entreprises, pour le commerce international. En fait, élargir notre communauté en fait à travers la mise en place de nouveaux process. Au niveau de Portnet avec la digitalisation, en fait, on travaille en fait d'une façon, on va dire, quotidienne avec tous nos parties prenantes, les douanes, le ministère du commerce et industrie pour aller digitaliser les différents papiers, les différents documents nécessaires pour le commerce international. Donc ça, c'est un travail qui... Et pour le transit, pour le transbordement, est-ce qu'on a commencé à gagner encore un peu plus de temps sur la circulation des containers, sur les choses? Ça, c'est... En fait, déjà, on a une visibilité plus, on va dire, plus accrue sur ces données-là. Nous savons exactement comment ça se passe, le temps que ça prend... Pourquoi ça? C'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire à travers les données qu'on... C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui qui a son conteneur qui est à un endroit X et qui est bloqué, vous savez pourquoi il est bloqué, vous savez où est-ce qu'il est bloqué, pourquoi il est bloqué? Bien sûr, à travers, c'est-à-dire au niveau de parce que c'est pas uniquement au niveau de Portnet, mais c'est également au niveau de BAD, au niveau de différents systèmes. Il a la possibilité de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour débloquer son conteneur, qu'est-ce qu'il doit faire, et également d'avoir des KPIs pour voir exactement est-ce que travers notre plateforme en fait Portnet KPIs, il a la possibilité de voir par exemple le nombre de conteneurs sans délai de séjour moyen, le délai de séjour de la place. Il peut savoir exactement qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Par exemple, il n'est pas performant et il peut se questionner par rapport à ces process. Est-ce qu'on peut mieux faire sur les délais de séjour de conteneurs? Valeur aujourd'hui, par rapport déjà à ce qui a été fait, on sait, oui, très bien qu'on vient de loin, oui, mais est-ce que là aujourd'hui, quand on voit les débats, les discussions entre les importateurs, essentiellement, ils disent voilà, il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin, déjà il y a des frais actuels sur des choses, est-ce qu'il y a des... Bien sûr, en fait, des leviers qu'on peut actionner. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a toujours des, on va dire, des changements, ou des, on va dire, des... de nouvelles choses qui impactent en fait le délai de séjour. Donc il y a les flux qui augmentent, donc il faut le comprendre. Au port de Casablanca, moi j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a vraiment des flux importants qui arrivent. Maintenant en fait, il y a également maintenant tous les services de port en fait depuis 2016 ou 2014 sont dématérialisés. Donc, normalement on devait travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et le port est toujours ouvert. Maintenant, il faut que les opérateurs également travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, récupérer leurs marchandises tous les jours, faire leurs produits tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Alors que tous les moyens sont là, Portnet est disponible 24 sur 24, le système de dédouanement est disponible 24 sur 24. Ça constitue un enjeu de compétitivité aussi pour les entreprises, d'avoir, plus ils récupèrent son conteneur, plus, parce qu'en termes de gain de temps, c'est très simple, on utilise nos ressources qu'à 30%. Parce que si on travaille qu'un shift, par exemple sur la partie administrative, on travaille qu'un shift, sur la partie contrôle, sur la partie récupération de marchandises, on travaille qu'un shift 2. Donc il faut comprendre que c'est des ressources.
Mais là, c'est nos quoi, ressources, c'est, on les suit, il faut réformer le code du travail, c'est des nouvelles législations sociales qu'il faut mettre en place pour... En fait, le port a déjà la possibilité de travailler. Maintenant, il faut juste que les opérateurs adaptent leur logistique à cette démarche-là. Le port est ouvert, ils peuvent récupérer leurs marchandises de jour comme de nuit. Et ça va, je pense, avoir un impact vraiment très important sur les délais de séjour. Donc ça pourra mettre de réduire les délais de séjour parce qu'on ira beaucoup plus vite en matière de traitement, en fait. On va utiliser nos ressources, les ressources qu'on paye cher, à travers les investissements portuaires, à travers les différents investissements qui sont faits au niveau du poste frontière. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à les exploiter à leur capacité. Un dernier mot sur cette édition Logismed 2024, la 11e, ça fait 11 ans déjà. Oui. Est-ce qu'il y a un mot particulier? Quelque chose qui a été un marqueur pour vous de cette... En fait, la qualité des débats, la qualité des différents panels, c'est vraiment très important. Il y a également un axe qui a été, je pense, traité cette année-là sur la logistique, en fait, urbaine. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a également la partie mobilier logistique qui a été traitée. Donc, en fait, c'est une édition vraiment très réussie avec... beaucoup de visiteurs et beaucoup d'engouement par rapport à la logistique. Et je pense que, à travers les discussions et les panels qui ont été organisés, on voit un peu la richesse et les différentes facettes de la logistique qu'il faudrait traiter. C'est quelque chose de vraiment important. Donc, vivement l'année prochaine pour ça sera la 12e édition en 2025. Oui, ben, on sera là, bien sûr. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Merci infiniment. Pour enrichir le débat et pour discuter, en fait, des différents... Parce que ça s'accélère et ça s'accélère encore plus. On le voit bien, effectivement, parce que le groupe Le Matin, donc partenaire média de Logismed, on voit bien, effectivement, d'année en année, que les choses s'accélèrent d'un point de vue technologique, parce qu'on est poussé, essentiellement par le progrès technologique. Exactement. Et ça passionne tout le monde. Et on l'a vu hier dans notre rencontre digitale, là, ça a été comble. Depuis le début à la fin, avec des gens qui... Salle comble et salle très silencieuse. Beaucoup de concentration pour écouter les propos des différents spécialistes et experts qui étaient présents. Exactement. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Youssef. Merci. Aouzi, je rappelle, directeur général de Portnet SA. Et je rappelle également, depuis quelques semaines, président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et surtout, bonne continuation. Merci beaucoup.